qu'à un moment donné, quand on est face à l'obscénité en permanence, on peut pas passer à côté. Et qu'effectivement, on est dans un monde pornographique, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui passe sur le corps des gens. Et voilà, je suis une artiste qui est intégrée dans son monde, et je parle de mon monde. Texte, mais dites-le bien. Je pars du principe que si on utilise un texte dans un objet, dans un spectacle, il faut qu'on entende. Et que, effectivement, en général, un texte, un grand texte, c'est un texte qui parle en soi et qu'il n'y a pas à jouer, il n'y a pas à rajouter des choses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de mettre en scène ce qui n'est pas dit dans le texte et ce que le texte suggère. L'endroit de la fiction, l'endroit de l'imaginaire, l'endroit de l'inconscient. Chez Tarkos, c'est totalement passionnant. C'est-à-dire, on a un motif central qui est effectivement l'argent, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est magnifiquement intelligent parce que ça a été écrit il y a quand même pas mal d'années et qu'aujourd'hui c'est incroyablement contemporain, ça prend vraiment tout son sens. Et pour le faire entendre, il n'y a pas 36 moyens, il faut effectivement amener du corps, amener de l'incarnation, non pas du jeu mais de l'incarnation, ce qui n'est pas du tout la même chose.